dans l'est du Brabant wallon, Perroué a su préserver son cadre champêtre, caractérisé par des pentes douces typiques de l'ASB. Au cœur de ce décor paisible, certains habitants colorent le quotidien grâce à leur savoir-faire. Bonjour Sylvie. Bienvenue dans mon petit monde, suivez-moi. Pour le bonheur des petits et des grands, Sylvie réalise des grimages, aussi appelés maquillages. Pour des aspects religieux, médicaux, esthétiques ou culturels, l'homme s'est toujours grimé. La tradition du grimage a traversé les époques et les civilisations. Au temps des Égyptiens, par exemple, le maquillage et les soins du corps avaient une place de choix. On les utilisait notamment pour parer les corps pendant l'embaumement. Ainsi, les morts retrouvaient un aspect juvénile. Aujourd'hui, c'est pour des occasions beaucoup plus festives, comme lors des carnavals vénitiens, que Sylvie exerce son art. Alors, pour ne pas être démasqué, ce week-end, entrez chez ces hommes et ces femmes qui font la Wallonie au quotidien, partagez leur passion et découvrez un patrimoine exceptionnel au travers d'artisans, conteurs, gastronomes et artistes. Ces 6 et 7 octobre, les Wallons vous ouvrent leurs portes en Wallonie insolite, à Perroué, Comblat-au-Pont, Rochefort et Abbé. Une initiative de la Wallonie avec La Une et Vivacité. Plus d'infos sur wallonie-bienvenue.be.